Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial mais souvent méconnu, la santé mentale de nos compagnons félins. Alors comment reconnaître un chat stressé ou anxieux et que pouvons-nous faire pour améliorer le bien-être émotionnel de ce chat? Eh bien, installez-vous confortablement et découvrons tout ça ensemble. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. D'abord, il est important de savoir que, tout comme nous, les chats peuvent ressentir du stress et de l'anxiété. Mais comment reconnaître ces signes? Un chat stressé peut se montrer plus reclus, moins actif, ou changer ses habitudes alimentaires, voire de toilettage. Et d'autres signes incluent un toilettage excessif, des miaulements fréquents ou des comportements destructeurs. Ces manifestations sont souvent des appels à l'aide, indiquant que quelque chose ne va pas dans leur environnement ou leur routine. Alors, que pouvons-nous faire pour aider notre petit compagnon? Le premier pas serait peut-être de créer un environnement stable et sécurisant. Ça signifie un accès constant à de l'eau fraîche, de la nourriture, des lieux de repos confortables et des zones pour griffer. À noter aussi que lorsque votre chat se repose ou encore dort, il faut absolument respecter ça. Ne pas aller l'embêter, ne pas le toucher, ne pas le caresser, même si j'avoue c'est des fois très tentant car ils sont tellement mignons les yeux fermés. Sachez que les chats adorent la routine. Il faut donc essayer de garder un horaire régulier pour les repas, les jeux ou encore les câlins. Ça les aide à se sentir en sécurité et à savoir finalement à quoi s'attendre chaque jour qui passe. Et bien sûr, comment ne pas parler de leur environnement? Enrichir leur environnement, c'est crucial. Ça peut être des jouets stimulants, des arbres à chat pour escalader, ou même des énigmes alimentaires, vous savez, les puzzles alimentaires. Ces activités-là vont aider à réduire l'ennui et le stress. Et bien sûr, la socialisation aussi est importante. Si vous avez un chaton, pensez à introduire de nouvelles personnes, ou même des animaux, très progressivement, et toujours dans un cadre contrôlé, pour éviter de les submerger. Et enfin, on ne le dira jamais assez, soyez aussi attentif à votre propre état émotionnel. Les chats, c'est comme des petites éponges. Ils sont très sensibles aux humeurs de leurs humains. Donc en restant calme et positif, eh bien, vous pouvez les aider à se sentir plus détendus. Voilà pour aujourd'hui sur le mystère Miaou. J'espère que ces conseils vous aideront à veiller sur la santé mentale de votre compagnon félin. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces. Prenez soin de vous et de vos amis félins. À la prochaine pour plus de mystères félins dévoilés.